aux quatre coins de la Seine sont en train de verser un petit peu de liquide. Donc, ils versent voilà, des boissons d'un peu de cola pour pouvoir adhérer beaucoup plus à la Seine parce que sur le bois, ça glisse énormément. Donc, voilà ce groupe de Géorgie. Bon, ils nous ont fait quelques petites surprises. Ils nous ont fait, c'est le chauffeur de bus surtout qui nous a fait une surprise. Mais bon, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Bon, la surprise, c'est quand il s'est mal positionné dans la cour du lycée, qu'il nous a fait un trou dans le sol de 4 mètres. Donc 4 mètres de large sur 2 mètres de longueur. Et en fait, c'est le bus, il est passé au-dessus d'une galerie, donc ça s'est écroulé. Donc du coup, l'anecdote, c'est qu'on a été obligé de demander à un camion grue de venir à Monteil, donc c'est la première fois qu'il voyait ça. Donc là, effectivement, le proviseur est venu nous voir, il nous a dit bravo. Donc un camion grue qui venait, comme on n'en a pas à côté, on a pris un des Villefranche-le-Rouergue, c'est presque à côté. Parce qu'à Rodez, ils n'en avaient pas. Donc forcément, le choix était vite fait, donc Villefranche est venu. Donc allez, c'est bon, ils sont presque au point, les danseurs sont en place, on vous laisse au spectacle de Géorgie. Thank you.
Sì, la pensi. Un po'. La pensi.
Stiamo per cogliere. Se avete offrire una prega. Alors on va faire une petite pause un petit peu pour laisser reposer et se réhydrater tous les artistes. Donc vous avez une buvette à votre disposition juste en haut de l'espace. À cette buvette, vous pourrez retrouver les affiches du festival qui sont à 21 euros. Et en fait, tous les bénéfices de l'association vont aller à une association caritative. Tous les ans, le festival soutient une association. Cette année, c'est l'association Tahabo de Côte d'Ivoire. Alors cette association est très bien connue de Pont-de-Salard puisqu'on l'a déjà soutenue de part de fois dans le passé. Voilà, ils agissent en faveur de la scolarisation des jeunes enfants en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, ils sont à 80 enfants scolarisés. Donc voilà, vous trouvez les petits objets publicitaires. Cette jeune fille qui est à côté de moi va passer dans le public pour les vendre au prix de 2 euros. Des petits stylos, des petites lampes. Donc cette jeune fille qui est à côté de moi, elle se prénomme Laura. Alors c'est une bébé accompagnatrice. Bébé parce que l'année prochaine, elle va intégrer le staff des accompagnateurs. Quand je vous parlais de bénévoles tout à l'heure, voilà, on a une trentaine d'accompagnateurs qui suivent les groupes toute la semaine. Donc on est sur place avec eux à Monteil, on dort toute la semaine. Donc elle va venir avec nous l'année prochaine. Bon, il y a déjà sa maman qui est avec nous, donc bon, elle se fait un peu de soucis, mais on va bien s'occuper d'elle. Voilà, donc je vous laisse vous réhydrater, à tout à l'heure.